Merci Nicole, téléspectateurs, mais information en détail. Je note annonce ça dans grand titre. Président République là, Jovenel Moïse fait une visite côtoisie jeudi 30 novembre dans plusieurs poulaillers dans le département nord-est là, dans le cadre projet accompagnement entrepreneurial. Chef l'État a montré une fois encore nécessité qui gagne pour différents secteurs dans la société à regrouper yo dans l'idée pour contribuer dans relance économie paysan. Sabine Jean et Naël Duvernay a présenté nous un reportage. Chef l'État fait virer on ça dans le département nord-est pour garder conditions yon série pour l'aïe à fonctionner. Dans la localité Kayes, commune Caracol, président Jovenel Moïse visitait incubateur Femme Carimex qui calait environ 12 000 tipoules chaque fin mois. Poule sa yo al grandi dans un poulailler Carimex qui trouvait dans la localité du Bois, dans Limonade. Président République l'a fait remarquer importance élevage pour l'agneau pour le pays d'Haïti. Secteur ça pour jouer l'argent, nous-mêmes qui dans tout côté nous serrer, qui dans majorité silencieuse. Comment se mettre tête nous dehors, qui vont pour l'aïe, qui vont côté nous faire jeu. Comment se mettre tête nous dehors pour télévision, ouais nous. Moment, temps, nous te qu'on cacher, attends ça a fini. Jodi a c'est moun qui pas te parler, c'est moment pas nous écrire. C'est pour mettre tête nous dehors pour nous parler parole développement, parole changement, parole que pays attend. C'est pour parole qui pour mettre haïtien en face haïtien. Son parole qui pour te manger dans assiette peuple là, son parole qui pour porter l'argent dans poche peuple là. Visite ça t'alra poursuivre dans ferme Proboka, dans Terrier Rouge. Pour arriver Trou du Nord sous site association producteur Grand Nord. Côté entrepreneur a agrandi chantier ça dans cadre d'un projet ambitieux pour secteur élevage poule là. Zone ça c'était un côté nous qu'on produit environ 15 000 poules. Jodi il y a un projet qui dérape là pour que nous parlions 15 hangars yo chaque pour prendre 15 000 pondeuses. Ça veut dire lundi 15 fois 15 à comprendre Boris Citlan qui quantité pondeuse qui pour le fait qui quantité œufs pour le fait par jour et devant une capacité 21 000 poulets de chair. À part nous on toujours dit parce que m'a parlé avec monsieur pas la président. Monsieur dit une capacité chaque 45 jours qu'a fait 400 000 poulets de chair. Et il y a monté système pour arriver dans plus de millions de frais chaque jour. Ça veut dire là que on zone on prise de conscience entre citoyens, on prise de conscience entre entrepreneurs qui dans même domaine parce que faut pas oublier domaine avicole là son domaine spécial parce que pour là son bagage faut qu'on ait pour entrer là-dedans. Jodi monsieur dame ça on met tête ensemble moi quitter me songe me quitter association en 2015 le candidat à 90 000 poulets de capacité, je vous dis à 400 000. Président Jovenel Moïse invitait tout l'autre entrepreneur au soir regroupement agriculteur pour présenter l'État haïtien projet pour bénéficier crédit, pour permettre de faire avancement dans le business et puis pour encourager le développement Haïti à travers le secteur agricole. Là. Merci Sabine. Construction tronçon route Kafoujof en Afoleur, c'est une parmi divers chantiers qui a exécuté sur territoire national. Dans quel niveau technicien yoyé, comment population ouais travaille ça? Une équipe télévision nationale d'Haïti est sous place en USA avec Ricardine Desanges avec Pimps Jean-Baptiste. Y a dit non plus. C'est une situation tête posée population Kafoujof qui trouve sur route nationale numéro 1 qui mène dans le département nord-ouest pays a mené activité yo pendant gen kek ki campé sou bois route là pour assister à travail qui a fait sous tronçon route Kafoujof Goumon là. Technicien yo déjà fait une série de travail sur 15 km qui divisé dans plusieurs tronçons yon manière pour permettre yo avancer à construction route là d'après information ingénieur en chef là qui pas de nous enregistrer voile. Environ 600 mètres sur 15 km déjà asphalté pour qu'on y a technicien yo a fait gros effort en façon pour 8 décembre qu'approche là yo capable remettre premier partie travail là. Population remercie autorité nan pi au niveau dans l'état pour construction route là qui d'après yo pral retire yo nan calamité yo te qu'on a vive à cause mauvais état route là té. Route là pas bon même. Bon moi pour qu'on y a là, moi commencer me sentir sale, moi commencer sale fait.
Malgré nous pas qu'on finit arriver, mais nous commençons à le faire. Quant à chauffeur moto, machine et l'autre monde qui utilise la route là pour mener activité, faire connaître ce plus gros travail que le président de la République, Jovenel Moïse, est capable de faire pour eux dans la zone là. Route Kafoujov en Safoléa a démarré dans la date 18 août passé. Selon Jean-Président Jovenel Moïse, a souhaité ça, travail a avancé. En attendant le commencement de l'année 2018, là, pour plus de matériel, vient ajouter dans le cadre de travail construction route Kafoujov en Safoléa, dans le cadre de travail construction route Kafoujov-Gomon jusqu'à en Safoléa. Président républicain Jovenel Moïse participait jeudi dans pose premier roche construction micropac industriel dans Moro, 4e section communale Tobek, dans Sid Pays. Plusieurs personnalités étaient présentes dans l'occasion. Ricardine Desanges et Pimps Jean-Baptiste a présenté nous un reportage. Pancarte, pied banane et drapeau, c'est quelques matériels habitants 4e section communale ont été utilisés pour exprimer quelques contents pour le passage président République la Jovenel Moïse dans 4e section communale Moron dans la commune Tobek. Lancement construction micro-parc industriel ça c'est premier dans 42 micro-parc industriel président République la Jovenel Moïse souhaitait construire dans pays à raison de une dans chaque arrondissement. Toutefois, chef l'État a été profité rappeler projet ça a été déjà initié sous ancien administration Michel Martelly. Faut droit nous respecter même Jacques monde qui vivre la ville parce que c'est monde nous même Jacques. Nous mettons sous pouvoir, c'est pour nous servir. Nous mettons sous pouvoir, c'est pour nous travailler pour nous. Et c'est ça que nous commençons à faire. Mais ça m'a demandé nous chaque qui vient dans la cérémonie aujourd'hui. Pour nous toujours tandem. Ambassadeur Union européenne Vincent Degère félicite président pour travail caravane changement déjà fait, ça qui aide dans relever figure grand site là, surtout après passage Mathieu à Irma sous pays. Et puis il promet pour continuer à accompagner l'administration Moïse Lafontaine dans réussite divers projets. Une politique pour la mise en place des microparcs à travers le pays, dont le premier exemple sera ici à Canberra. Donc mesdames et messieurs, le pays quelque part vous regarde et le pays attend de vous un succès de ce projet qui pourra ensuite être répliqué à travers tout le pays sous l'impulsion du président de la République et du ministre dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui. Le microparc industriel de Moreau-Campérin constitue le dernier né d'un vaste programme en même temps que l'un des objectifs les plus ambitieux. Population 4e section remercie le président pour travail ça pendant une étape plus travail toujours. Pour nous-mêmes, nous sentons une fierté pour nous, dans la vie nous, parce que nous ne sommes pas jamais dans la vie nous. Et nous avons goûté pour le président, et puis nous, c'est réalité, et puis nous-mêmes, population, nous sentons satisfaits. Nous ne pouvons pas nous dire encore. Nous ne regrettons pas que nous avons sacrifié nous pour le président qui capable d'arriver là aujourd'hui. Construction micro-parc industriel ça a démarré mois février l'année 2018. L'a duré 18 mois. C'est l'Union européenne qui a financé le travail ça pour une valeur environ 2 millions d'euros. Pendant passage chef l'État dans la commune Tobek, président Jovenel Moïse annonçait construction route qui menait dans la 4e section communale Tobek. Là, on écoute précision. L'État s'est acheté 123 millions de dollars d'équipement pour mettre sur l'équipement nous. Équipement, ça y est, il est là pour faire travail nous. Il n'est pas là pour faire travail nous. Les nous, ils ont côté, ils ont fait un travail privé. Pas crasé, pas brisé. Les casques là, les magistrats, les députés, les sénateurs, les la police. Rele la police pour venir garder, pour venir dire, mais équipement, pam, parce que équipement, c'est pour nous, pas jambé ça. Tout ça, nous, qui me fait sacrifice pour l'État acheter, c'est pour nous, c'est pour la population, c'est bien nous, c'est pour nous veiller. Veiller, n'est qu'à prendre équipement l'État qui fait travail privat, parce que équipement l'État, il est là pour faire travail peuple. Même genre, route ça là, c'est équipement l'État qui va le faire. Au moins de 40 km comme ça, longtemps, si pour nous t'étendre pour route ça a été financé, madame n'a pas fini
route là pas financer. Mais je vous dis, avec stratégie ça que met sous pied, caravane changement, nous pas rien. Dans le cadre de caravane changement, plusieurs tracteurs agricoles arrivés dans le site PIA. Matériel ça yo pral aider agriculteurs à mener activité dans les bonnes conditions. Toutes dispositions déjà prises pour accompagner agriculteurs, selon le ministre agriculture André Carmel Béliard et puis coordonnateur caravane changement Thomas Jacques. On nous suivre. Tracteurs agricoles ça yo, nous fait partie de stratégie caravane toujours. Donc actuellement nous sommes une campagne d'hiver côté que nous avons fait une opération coup de poing dans le cadre de labourage pour la campagne d'hiver. Donc DDA, en principe direction départementale de l'école sud là, avec coordination caravane, c'est eux qui font planification. Hein, côté que nous arrivons réunis près de 600 hectares que nous avons fait pour nous faire une opération coup de poing. Donc dans le cadre de ça, nous avons une requête, nous avons une acquisition de près de 34 tracteurs que nous faisons, John Deere, que nous avons gardé là. Donc c'est aujourd'hui, nous prenons sorti depuis hier dans la route, que nous prenons sorti dans le ministère, pour être capable de venir là, à tout accessoire. Tout. Donc c'est eux-mêmes que nous recevons là. Et entre plus tard et demain, pour nous faire une grosse démonstration avec eux, après pour nous et dispatcher au niveau de toute plaine des Kaela pour nous capables de préparer plantation, bois particulièrement pour campagne hiver. Il faut prendre que ça nous est là, il n'est pas prêté seulement au niveau des cailles. C'est là que nous baillons coup de pied d'envoi dans le cadre d'un grand plan de labourage que nous gagnons pour campagne d'hiver, cap dispatcher à travers les 10 départements du pays. Dans le cadre des opérations coup de poing, nous avons mené dans la péninsule sud et nous avons un programme de labourage qui a fait au niveau du département sud, tant que le ministre Béliard a précisé là. Mais en même temps, nous avons appui que les agriculteurs ont commencé à recevoir, par exemple, dans le département de NIP, côté recevoir plus de 10 millions de boutures de patates, recevoir près d'un million de boutures de manioc. Il y a recevoir semences maïs, il y a recevoir semences pois. Donc c'est tout ensemble de subventions que surtout après décapitalisation, exploitation agricole, après passage cyclone Mathieu, que le gouvernement à travers la stratégie caravane a porté support par les agriculteurs pour permettre nous capables de redémarrer la production agricole là, dans la campagne d'hiver. Donc c'est vous gagnez le département de NIP, vous gagnez le département du sud côté et gagnez le ministère des Finances qui a fait des décaissements pour permettre que DDA continue à part seulement la bourgeoisie, mais gagnez apport en semences qui a fait tout. Et nous gagnez le département Grandens côté pour avoir un ensemble d'appui aux agriculteurs du département Grandens. Donc c'est tout ça qui a fait pendant que la caravane a déroulé dans la péninsule sud.